Des concentrateurs d'oxygène, des médicaments et de nombreux consommables. Ce geste humanitaire vient renforcer le plateau technique du centre hospitalier universitaire de la mère et l'enfant, Chumel. Il répond à la demande du service néonatologie du centre. Au-delà du geste que vous avez accompli tout à l'heure, cher maître, je dois souligner que ce geste que vous venez de faire rentre dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire, en particulier l'objectif relatif à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Merci de renforcer ce plateau technique par des concentrateurs d'oxygène, élément fondamental dans la gestion des urgences des enfants, aussi bien également des mères. Nous sommes très heureux, mon personnel et moi, pour ce geste que vous avez fait. Soucieux du bien-être des enfants et mères hospitalisés de ce centre, le donateur veut leur apporter une bouffée d'oxygène. Alors, je voudrais qu'avec ces lots médicaux, qu'une gestion saine et transparente soit faite en bon père de famille. Alors, je voudrais aussi rappeler aux dirigeants, aux responsables de ce centre que ces produits sont effectivement destinés aux malades hospitalisés. Et je passerai de temps en temps pour le suivi de ces lots. Et je voudrais aussi lancer un appel aux fils de ce pays qui ont encore du cœur de faire comme moi. Avant la remise de ces matériels médicaux, Maître Abou Seydou a effectué la ronde pour mieux appréhender les besoins de l'hôpital. Il promet de revenir à la charge avec d'autres gestes pleins d'humanité.